à l'heure actuelle, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mieux, les relations entre le Bondinois et le club de la capitale semblent s'apaiser ces derniers temps, surtout depuis son retour dans le groupe. Buteur face au Toulouse FC, le week-end dernier, l'attaquant du PSG devrait malgré tout animer la fin du mercato, avec un Real Madrid qui attend toujours de passer à l'action. Pour Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur, mais aussi directeur sportif de Paris, Kylian Mbappé parviendra tôt ou tard à trouver un accord avec son club pour qu'il ne reparte pas bredouille. C'est qu'il a un contrat, c'est la première chose à retenir. Je pense donc que cela va continuer, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver. Il a toujours dit qu'il voulait aller au Real Madrid pour pouvoir terminer sa dernière année à Paris et ensuite repartir. Il lui sera difficile de le faire en tant qu'agent libre, car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l'ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat, et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Vous devez défendre le vôtre. Un club, ce n'est pas seulement payer. Je pense qu'ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ, raconte Luis Fernandez pour AS. Si les propos de l'ancien directeur sportif du PSG, devenu consultant, tiennent la route, nul ne sait ce dont l'avenir de KM7 sera fait. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique peut, pour l'instant, compter sur un Mbappé revanchard après sa mise à l'écart durant l'été. Décisif pour son retour avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reste, malgré tout, au cœur de l'actualité transfert. À ce titre, la presse allemande lâche, ce dimanche matin, une véritable bombe concernant l'avenir du Bondinois. Kylian Mbappé a fait son grand retour. Au cœur d'un immense bras de fer, avec la direction parisienne tout au long de l'été, et placé dans le LOF, l'international français, 70 sélections, 40 buts, a finalement été réintégré dans le groupe francilien. Samedi soir, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le champion du monde 2018 a marqué son comeback d'un but sur penalty, permettant aux siens de récupérer un point à Toulouse. Une performance remarquée qui ne met cependant pas fin aux rumeurs concernant son avenir. Ciblé depuis plusieurs mois par le Real Madrid, l'ancien monégasque serait, ainsi, toujours un sujet central dans la capitale espagnole, et ce, malgré les dernières informations de Marca, indiquant que la direction madrilène restait désormais très éloignée de ce bouillant feuilleton. Preuve de cet intérêt toujours aussi marqué, le quotidien allemand révèle, ainsi que les meringues n'auraient pas dit leur dernier mot concernant Mbappé. Mieux encore, la direction madrilène préparerait une offre de dernière minute pour s'offrir, dès cet été, le Français de 24 ans. Sportbild précise que le montant de cette proposition devrait avoisiner les 120 millions d'euros et être formulé dans les dernières heures du mercato estival, le 29 ou le 30 août. Si cette information est à prendre avec des pincettes, les raisons de cette ultime offensive sont également dévoilées par le média précédemment cité. Ainsi, le Real Madrid n'aurait plus grand intérêt d'attendre l'été 2024 à l'heure où les positions entre le PSG et Kylian Mbappé semblent s'être légèrement rapprochées. Dernièrement, nous vous révélions d'ailleurs que le Bondinois serait désormais ouvert à une prolongation d'un an, afin qu'il ne soit pas libre l'été prochain, tout en obtenant une clause libératoire pour un transfert au Real en 2024. Si ce nouveau contrat est encore loin d'être signé, un tel dénouement changerait clairement la donne pour la Casablanca, puisqu'une indemnité de transfert sera forcément due. Cet été ou l'été prochain. Dans le plus grand des silences, Florentino Pérez, le président madrilène, pourrait donc préparer ce qui serait le transfert de cette fenêtre estivale. Avec le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, et José Lu prêté par l'Espagnol Barcelone pour un an, comme seul recrue à ce poste, le dernier deuxième de Ligue 1 n'a donc, peut-être, pas dit son dernier mot. Il faudra désormais patienter quelques jours afin de voir si le Real Madrid compte réellement passer à l'action. Une chose est sûre, la saga Kylian Mbappé risque de faire parler jusque dans les dernières heures du mercato.